samedi, dimanche et dimanche. Oh là là, je vais pouvoir stream une semaine, les amis. Je vais pouvoir revenir pour vous accompagner lors de votre télétravail. Vous êtes content ou pas? Et moi aussi, j'en veux plus. En fait, le problème, c'est que ma vie est tournée autour du fait que je me lève le matin et que je lance un stream. Pourquoi je suis un first strike, Nami? Oh mon dieu. Et le problème, c'est que quand le matin je me lève et que je dois pas stream, bah je reste dans mon lit jusqu'à pas d'heure et après ma vie est finie. Genre. Et ça suffit la musique. Merci Curb78 pour le 8ème mois d'abonnement. Ouais. Tu stream pas, tu fais quoi? Regarde, moi j'avais pas mal de trucs à faire. Hier j'ai fait pas mal de trucs. Genre aller chercher des colis, aller dépousser des colis, aller acheter des trucs. Mais sinon je fais rien hein. Hier j'ai fait du Fortnite. J'ai fait une squad Fortnite avec avec Isma et Antera. C'était ça ma journée hier. On a joué à Fortnite No Build. Eh les joueurs de Fortnite hein. Oh là là, comment ils sont nuls, c'est de la dinguerie. Oh non, j'ai pas activé mon Z. Mais c'est cool le Fortnite OG là. C'est vraiment pas mal hein. Des jeux contre des bots. Mais comment il peut y avoir des bots sachant qu'il y a du temps de queue pour se connecter au jeu genre. À la limite, s'il y avait personne sur le jeu, je peux comprendre qu'il y ait des bots, mais s'il y a du temps de queue pour juste jouer au jeu, normalement, il n'y a pas de bots, quoi. Oh, je sais pas pourquoi je peux pas me faire GP. Le nombre de bots est aberrant en low-elo. Bah, dans ce cas-là, j'ai peut-être joué contre des bots. Vraiment, je te jure, c'était trop grave en leur niveau. Mais c'était marrant en vrai. C'était un peu les feelings, tu vois. Genre j'étais, je dropais à Wailing Woods, la larme à l'œil. Ça meurt pas ça. Là, ça meurt. J'aurais peut-être prendre une attaque speed, même si je joue l'état. Ok. RT, si toi aussi t'as jamais joué à Fortnite. Ah ouais, Fortnite. Au début, quand il y avait les builds et tout, personne ne savait jouer, c'était trop bien. Je peux pas en gank mid là. Overbot side, voir s'il se passe un truc mid peut-être. Ah bah tiens, double carap hein. Allez, double carap. Triple longsword, c'est reparti. Moi je suis le flopper qui a passé son temps sur sauver le monde. J'ai jamais joué à sauver le monde. Merci troll d'amère pour le reset de 16 mois. J'ai jamais joué à sauver le monde. Là, en ce moment je joue à Mario Wonder et je joue à Suika Game sur ma Switch. Je l'ai ressorti du placard. Ok. Je sais pas ce qu'il fout le hier, mais il se prend un peu de forme de retard quoi. Je pense que je peux double carap, j'en ai aucune idée mec. Bah si, j'ai une idée, je pense qu'il est low.
Et en vrai, Mitch peut le tuer. Hein. Il va essayer de shockwave. Ah non. Pas grand chose à faire. Top, il a pris cher un peu là. Le problème c'est que je vais arriver, il sera en méga. Il offre un reset. Ouais, il veut juste catch sa wave. Mais bah, j'aurais juste dû finir mon full clear. Ok, je peux pas crash la wave. Ok, il a sa TP mon pote. Oh non, il est mort. Oh non. Alors, les Draktar hein. Je vais Draktar, on flippe des ultis. Botane, Botane a deux mecs, donc il y a deux fois plus de chances de toucher de R. Ou deux fois plus de chances de le louper aussi. En fait, le louper bot, c'est deux fois plus impressionnant en fait, c'est surtout ça. Le problème, c'est qu'ils sont un peu trop près de la lane là. Sont un peu trop près de leur tourelle, je veux dire. Allez. Bien joué. J'avais besoin de flash in, mais bon. Je check la pink. Et après, on va refoukir. Il fait quoi le Yvern là? Il joue pas, il a 35 CS. On prend pas tout ce qu'il fait. Dans la game. Tue ça, hein, ouais. Putain, j'ai pas assez d'attaque speed pour mettre un reset d'auto-attaque à la fin de mon Z. J'aurais peut-être prendre une rune d'attaque speed. Il y a no flash. En vrai, mon top il s'en sort pas trop mal. Hein. Ah, ok, si ça va, il s'en sort bien. Sur des petits derrière ici. Hein. Oh, j'aurais dû l'envoyer un peu plus vers l'arrière. En fait, le problème c'est qu'il faut pré-shot le fait que les mecs vont bouger. Parce qu'ils l'entendent en fait. Pourquoi tu as pas fait le Drake avant de full clear? Parce que le Drake ça prend trop de temps, ça fait perdre trop de tempo. Ça rapporte pas grand chose.
Omega. Ok, bon. Là, j'aurais pu faire le Herald en vrai. En fait, je vais rester. Je suis pas vu déjà quand je rentre dans la river. Et il y a Carap et Herald à faire. Ça, je crois qu'il était bot. Si, Arx 26. Non. Je vais pas sauter de l'autre côté. Parfait. Le Drake apporte un buff constant pour toute l'équipe. Ok, ok. Non, parce que j'ai jamais fait de Drake de ma vie, du coup je savais pas. Bob from Lilo. On fout genre ici. Putain, il est parti de l'autre côté, je suis dégoûté. Il meurt du dot. Non! Non! Le DTF fait 40 les dégâts! Attention, le bot, il y a hiverne. Oh man, il y a une fondance dans le. Je pense qu'il va TP. Ah ouais, mais là par contre j'ai eu les gold quoi. En vrai je pourrais jouer pour tuer le hiverne. Vu à quel point je lui pète la gueule. Je peux aller top en vrai. Le problème c'est qu'il faudrait lui faire claquer son méga. Ok. Ça slow dive là? Oh, il m'a vu. Vite le Herald! Ah, il va mettre 15 ans à charger! Ah, je crois que ça va pas passer. C'est pas grave, on a la tourelle quand même. J'aurais dû poser le Herald avant de faire mon play. Et je fais Prowler Claw. C'est un peu de la merde, je pense, la Prowler. J'aurais peut-être dû faire. Ça là, Edge of Night. En fait avec Edge of Night je peux go in sur la... Avec le Edge of Night je peux juste go in sur la veine, elle peut rien faire quoi. Il a volé mon bot side. Je vais le faire payer hein. Je crois que je suis vu. Je vais le traquer dans sa jungle. Il joue comme un con, oui. Façon de jouer un surchampion, no joke, hein. Quand je joue ce champion létalité, j'ai vraiment l'impression de jouer un surchampion. Mais putain, mais il dodge pas!
Ah, je voulais. Mais bordel, c'est broken! J'ai foutu les semaines en 0-5-0 et en 0-4-0 quand même! Hein. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas moyen de le tuer lui. Il y a un Q-spell qui est parti. Mes dégâts m'ont un peu choqué par là. 8-0-0. Je vais faire ça plutôt. Hein. En fait, j'ai assez de dégâts pour les one-shots. Là, je fais ça. Ensuite, je fais. Bon, en vrai, rien ne m'empêche de faire Prowler. Après, je peux faire Black Cleaver et ça me permet de transitionner vers un truc un petit peu tanky au moins. Il va toucher ce spell, enfin, je suis désolé, mais c'est pas moi qui le loupe, hein. C'est juste que le spell n'est pas fait pour être touché. Ils sont coupés mid. Ah, mais sans mon R, je peux pas vraiment jump in là. Je sors. Je vais one shot de camp pour me mettre full life et puis je reviens. Mettre ton spell sur un CC, mais même sur un CC c'est impossible de le mettre. Le temps de cast du taille du spell prend genre vraiment une seconde et demie quoi. Allez, on va le tuer une sixième fois. Ah, il a flash. Loupé. Ah, je peux pas arrêter de courir. Ah. J'aurais dû flash out. Oh, j'étais de 700 gold. En vrai, je pense qu'il me faut un Axiom Arc pour pouvoir louper plus d'ultimate. Bien joué la bot lane. Eh, 313 gold la Nami First Strike, hein. Anti-shield. En vrai, c'est peut-être plutôt un item anti-shield là. Ah, mais j'ai pas le bon item en fait. J'ai
J'ai pas le bon item en fait là. Bon, je one shot la jungle. C'est l'heure de flip un ulti. Oh non! Oh putain, j'ai un autre shutdown. Je peux faire un tout one tap quand même. Hein. Putain, j'ai touché un R. C'est parfait, je suis en confiance maintenant, je vais en toucher d'autres. Je vais faire des tabis, leurs dégâts magiques c'est vraiment pas grand chose. Hein. Ah c'est la Senna qui m'a pété la gueule là. Est-ce qu'on flippe un ulti top? C'est 55 secondes. Voilà, bon tant pis, ça touche pas. Ok. Nami Medjay. En vrai, si je joue avec la Nami, les claques que je vais mettre. J'arrive. No flash ce mec en plus hein. Ah. Oh non. Oh shit les gars. Non il se fait malmener. Ok, bien joué. Qu'est-ce que je build là? En fait, je me fais one shot. C'est ça le problème avec le build d'état, c'est que tu te fais one shot et tu peux pas vraiment arriver en fight et tuer tout le monde. Comment va ton padonois? Bah, il va bien. Il est en place quoi. Je pense que je vais faire genre Black Cleaver et Sterak en dernier item. Dev Dance Move pour la survivabilité. Je pense que je vais faire Dev Dance et Sterak Sterak et Black Cleaver, ça me fait pas mal d'HP et tout, c'est bien je pense. Eh, j'ai tanké pas mal quand même la team. Hein. Bien joué, bien joué. Ah ouais, le problème c'est que Vayne, si je touche pas mon R sur la gueule, elle, à chaque fois qu'elle Q-spell avec son ulti, elle passe invisible.
Du coup, bah, je perds l'aggro, quoi. Je perds mon W et c'est ma seule source de dégâts. 0 sur 8, c'est faux, j'en ai touché 1. Attends, j'en ai touché 1 ? Si, j'en ai touché un sur Hiver, je m'en souviens. Ah, 20 secondes de CC, c'est parce que ça compte mon W. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Hier j'étais en train de regarder le film de la tournée de Renault de 2017. Ça me rendait très malheureux, j'étais là putain. Il est vraiment dans le mal le père quoi. Je vais R ici, je vais le cancel et je vais le tuer après. Bah. Allez mon grand. One shot la jungle aussi, c'est vraiment abusé ça. Mais j'ai déjà le R encore. Après le problème c'est que si je touche ici. Oh! Oh! Non, il va m'amener dans la base! Vas-y, Shinzo TV pour le Supreme. Le Re-Supreme. Bien joué la team. Oh là là là. 17-5. Eh bah, j'ai pas touché beaucoup de R, mais vous voyez, y'a pas besoin de toucher des R. Hein. Quand tu one-shot tout le monde. Ça marche sans toucher les R aussi. Est-ce que j'ai fait des dégâts? Je pense en effet quand même un peu. Hein. Si tu stopwatch durant ton R, ça te stop. Je pense que tu peux juste pas stopwatch pendant le R. ...29 000 de dégâts contre 3 000 de dégâts. C'est littéralement bombe à hydrogène contre bébé qui tousse. Bien tenté bébé qui tousse. Malheureusement tu es tombé sur un os.